suis Lord Anthony Carl. Je suis au top. Merci. Je viens de Paris, mais je voyage à travers le monde. J'ai commencé par le dessin. J'ai été un peu nul à l'école, mais donc j'ai dû inventer mon métier. Et ça a pris du temps. J'ai commencé par le graffiti que j'ai découvert en 84 avec l'arrivée du hip-hop en France. Plus tard, j'ai eu la chance d'étudier la bijouterie à partir de l'âge de 16 ans. Donc la sculpture, le volume, ce qui me donne dans l'art contemporain une vision architecturale quand j'ai un projet. Je pense que c'est toujours intéressant ce à quoi joue un enfant, parce qu'on le retrouve après dans la vie d'adulte. Pour ma part, oui, je dessinais beaucoup, j'aimais bien les constructions, et on est des grands enfants, donc il y a toujours un lien, je pense, entre les jouets et après sa création. Et d'ailleurs, pour moi, un artiste, il se crée un jouet, en fait. Même quand on fait un tableau, créer un jouet avec lequel on veut vivre. Le fil rouge de mon travail, c'est le mur. Je me pose pas trop de questions sur l'art urbain ou ce genre de choses. Je fais des témoignages de murs de mes voyages du monde entier. Donc c'est pas nécessairement urbain, ça peut même au contraire être sur la genèse du mur, mes voyages sur le continent africain, au Brésil, au Mexique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'honneur d'être invité, pour justement avoir un autre prisme dans YouPaint. Ce qui est intéressant pour un artiste, c'est de voyager, d'aller à la rencontre du public, mais surtout de partager avec les autres artistes internationaux. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on apprend énormément. Je trouve que découvrir d'autres cultures, c'est très enrichissant et j'ai jamais été déçu, en fait. Les artistes ont toujours été très affables. On a beaucoup échangé, comme là en ce moment à Monaco pour YouPaint. C'est vraiment une grande richesse. Ça me fait penser à quand j'étais, justement quand je faisais du skate, nous on se fabriquait nos skateparks en carton pour faire du finger skate, tu vois. Du coup, ouais, ça me fait rêver de voir ta technique. Si tu voulais, tu ferais des skateparks de fou, quoi. Quand tu étais enfant et tout, tu faisais déjà des trucs comme ça un peu en... Ouais. Pas des murs, je suppose, mais tu faisais des maquettes de quoi ou des trucs Je faisais un lien à la construction et aux voitures. J'étais fasciné par les petites voitures. Du coup, tu faisais des maquettes de caisses, des trucs de fabrique, ouais. Ok. Ouais. Et après, j'ai eu la chance très jeune d'apprendre le métier de maquettiste en bijouterie. Donc c'est ça qui te fait que tu peux toucher à faire plein de styles de... Ouais. Et puis ça donne aussi, c'est aussi une école de la rigueur et de la perfection, quoi. Ouais, même si tu essaies de faire justement des imperfections, c'est de savoir faire des trucs bien qui te permet de pouvoir... C'est voulu. T'as jamais fait de collab encore officiellement avec d'autres artistes? Si, je participe à un projet évolutif, c'est-à-dire qu'on fait plein d'expos. Avec plein d'artistes, à partir des photos de Roberto Battistini qui avait photographié Serge Gainsbourg. Okay. Et qui a invité quelques-uns des plus grands artistes internationaux à faire des œuvres à partir de ces photos. Donc j'ai fait des murs de la rue de Verneuil, la maison de Serge Gainsbourg. D'accord. Et ça, c'est une œuvre à quatre mains. Le mur devant chez lui, là, où il est tout en pain, justement. Tout en pain et tout, donc c'est un sujet. Là, il y a de la matière, Plusieurs. J'en ai fait plusieurs. Très bon. Je trouve qu'il y a plus on grandit,
plus on est proche du bonheur. Plus, en fait, comme si le bonheur était une maturité, en fait. Je trouve que c'est très dur quand t'es adolescent, quand t'es jeune adulte, et plus tu as des expériences et plus la vie est belle. C'est qu'en fait, plus tu as conscience de la mort, puisque tu grandis, plus tu savoures la vie. Et comme tu as un sentiment d'immortalité quand tu es enfant, tu es heureux mais moins heureux. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Mon travail, il parle en positif du temps d'avant, d'une certaine nostalgie. En fait, comme si c'était une photographie de ces sociétés qui se transforment. Quand on voit dans les campagnes, avant on peignait en lettres sur les boutiques, on avait la main humaine et ça a fini par maintenant on a des enseignes en plastique, en PVC et on perd le côté minéral en fait. Et ça me touche beaucoup. C'est pour ça que dans mes sculptures de mur, donc je les fais en très grand et je les fais dans ces formats beaucoup plus petits, c'est comme comme si on capturait un lieu et aussi un instant en fait, puisque tout change. Les affiches changent, l'architecture change, les messages changent, voilà. C'est toujours intéressant de voir des choses dans une autre dimension, soit ce qui est petit en grand ou inversement. Bah, les murs en taille réelle, en de grande envergure, c'est très physique, les briques sont lourdes, on sculpte en grand, des grandes dimensions, donc c'est plus sportif. En petit, on est plus dans l'introspection en fait, c'est beaucoup plus intellectuel et méditatif. La chose à laquelle j'ai tout de suite pensé pour la Fondation du Prince, le lien à l'écologie en fait. Et mes murs parlent un peu de ça en fait, ils sont un témoignage du temps d'avant. Là c'est inspiré d'un mur parisien en l'occurrence et il y a des affiches que je réalise moi-même et que je sculpte en volume et où on a le passage du temps, l'érosion, le climat qu'on voit par la pluie, les choses qui déteignent, voilà. Moi j'aime les murs, je trouve que les murs c'est très beau, c'est le reflet de la société puisque c'est en extérieur, c'est dans la cité en fait, et c'est un sujet très intéressant et illimité. Il y a du positif et du négatif, il y a de la thèse et de l'antithèse, et c'est pour ça que c'est un sujet d'ailleurs. Moi, je me le suis, à ma manière, approprié. Donc, j'ai commencé à mettre des murs de la ville en intérieur, dans un salon. Ça doit rester une œuvre d'art et il faut donner, exprimer, mais il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et c'est ce qui fait que c'est ni une maquette, ni une maison coupée. Voilà, c'est vraiment il faut qu'il y ait une force, un fragment, comme s'il était arraché à la ville, pour se l'approprier en intérieur. Et d'ailleurs, le concept s'appelle Living Wall, parce que c'est un mur qui doit être, c'est de la sculpture, ça doit être vivant, donc living, et living, mur de salon, mur de living. Moi, c'est très beau et très poétique, le mur, parce qu'il y a les messages d'amour, il y a un cri du peuple, même. C'est comme si ça transpirait des messages. Le fait d'écrire sur un mur rend les choses publiques, c'est-à-dire, à l'origine, elles sont intériorisées. Après, peut-être que tu vas les écrire, c'est déjà moins extériorisé. Le fait d'écrire sur un mur, la chose ne t'appartient plus, tu es guéri en fait. C'est complètement psychologique.